Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Alors on va commencer tout de suite, j'ai fait mes sourcils avec la palette Max & More de chez Action, la teinte light avec un pinceau biseauté. J'ai mis un illuminateur de chez P2, voilà. J'ai appliqué les scotchs pour faire une jolie démarcation. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre un fix make-up que je vais humidifier mon pinceau avec. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai appliqué la base de chez Essence sur les yeux. Voilà, tout ça j'ai déjà fait avant. Alors maintenant je vais appliquer... Il y a trop de choix sur cette palette. Bon, je vais appliquer un blanc sur toute ma paupière mobile. Maintenant, je vais prendre un pinceau boule un peu fluffy que je vais humidifier et je vais appliquer un rose en banane. Ok. Celui-là. Et on caresse sa paupière pour faire un dégradé. On n'hésite pas à tirer la couleur vers l'avant. On travaille, on estompe, et on mélange, on fond les couleurs ensemble. Attends, il n'y arrive pas. Oh putain! Mais je suis en train de pleurer maintenant. Stop. Donc voilà, aujourd'hui je pars que sur ces deux couleurs là parce que j'arrive pas à travailler plus. Donc à ce moment là je vais appliquer l'eyeliner, donc le mien c'est celui de chez L'Oréal. On va se dépêcher avant qu'on fasse une rigolade. Hop. Voilà. OK. Voilà, à ce moment-là, je vais enlever les scotch et je raccorde le trait du haut avec le trait du bas. J'ai raccordé le trait du haut avec le trait du bas. Et comme ça, ça me permet d'avoir un trait tout net. Alors maintenant, on va appliquer
du crayon noir dans les muqueuses. J'utilise le crayon noir de chez NYX. Et à ce moment-là, j'applique le recourbe-cil et le mascara. Donc j'ai testé un nouveau mascara de chez Too Faced, le Damn Girl. Et il donne un de ses volumes en fait. La nana qui m'a fait tester dans le magasin, j'hésitais entre le Kat Von D et celui-là. Et bah du coup, j'ai pris celui-là. Donc il a une brosse XXL qui va prendre vraiment tous les cils. Il se met en top coat ou par-dessus un autre mascara pour bien séparer et définir les cils. Ça parle de lui-même. Hein. Trop grosse celle-là. Ça filme toujours. Hein. Du coup, les yeux sont terminés. On va placer l'highlighter, l'illuminateur, comme vous voulez. Donc moi, c'est celui de chez L'Oréal, le numéro 503. Donc on l'applique en zone T. L'arc de Cupidon, le menton et les pommettes. On vient estomper au doigt. Mais qu'est-ce qu'il me fait? On vient l'estomper. On vient l'estomper au doigt. Oh putain, il me fait rigoler. Voilà. Mais pourquoi t'as rigolé? Il est con. J'en peux plus, putain, je viens de me maquiller, je vais déjà couler. Ouh. Voilà. Alors, à ce moment-là, quand c'est fait, je viens appliquer un rouge à lèvres. Donc, je prends celui... Le lip duo de chez Nos IB. Allez, stop. Putain, j'ai pleuré. Allez, je prends un rouge à lèvres de chez Nos IB, double couleur. Je viens l'appliquer. J'ai les lèvres sèches. Mais je t'entends psychologiquement rigoler. C'est bon. Hein. Tu peux revenir bébé. J'ai tout foiré le rouge à lèvres maintenant. C'est de travers. Et les vidéos à l'avenir, tu les feras toutes seules. Mais ça fera des bêtises. Non mais comme tu donnes les noms et tout ça. Donc voilà, j'ai un petit peu raté le rouge à lèvres. Et pour finir, on applique... ça s'appelle comme ça. Un fix make-up. Pour que le maquillage tienne toute la journée. Voilà, il reste plus qu'à ranger, nettoyer les pinceaux. J'espère que cette vidéo vite fait marrante vous a plu et on se retrouve une nouvelle fois pour une prochaine vidéo. Ciao !